Voilà, c'est bon. Making of croisé, ça s'appelle. Ce film. Est-ce que c'est la première fois que vous venez au Festival des Maudits Films? C'est la première fois que je viens au Festival des Maudits Films. J'ai appris son existence il n'y a pas longtemps en fait. Et qu'est-ce que ça évoque pour vous le cinéma de genre? Waouh! Tout un pan du cinéma tout aussi important que le cinéma d'auteur et qui n'est pas forcément assez mis en valeur en France. Parce qu'en France, on est un petit peu pouet-pouet, on est un petit peu sur notre cinéma, sur le fait qu'on ait plus ou moins inventé le cinéma, au moins au niveau technique. Du coup, dès qu'on parle cinéma de genre, c'est pas forcément bien vu autant par les films qui se font en France que par les festivals qui les diffusent. Alors qu'on a aussi inventé le cinéma de genre, parce que Méliès, merde quoi, voilà. Donc si je vous demande un réalisateur phare ou un film phare, c'est un peu cruel comme question, mais qu'est-ce qui vient naturellement en fait? Ben, moi j'ai envie d'être... j'ai envie de jouer mon pseudo-rebelle. Et je sais que ça va personnellement pas vous plaire, mademoiselle. Mais moi, mon réalisateur phare en ce moment, c'est Uwe Boll. Parce que ce mec, c'est un des seuls réalisateurs de nos jours qui est totalement libre. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Quand il a besoin de sous, il fait des merdes pour récupérer des sous. À côté de ça, il fait des films sérieux, des films qui lui tiennent à cœur. Il peut aller dans la comédie, dans le... Il peut aller partout. Et au niveau humain, c'est vraiment un gars, pour l'avoir rencontré, qui est super, 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 super cool. Du coup, ouais, et pourtant il y a des réalisateurs qui ont fait des films bien meilleurs, il y a des réalisateurs qui sont beaucoup plus constants, mais au niveau des coronesses, si vous me pardonnez l'expression, c'est un mec que j'apprécie particulièrement. Et bon, on vous remercie. De rien.